Allez, c'est parti pour la croisière Vivacité sur le Douro au Portugal avec un équipage de folie et avec des auditeurs de dingue. Et bien entendu, last but not least, notre guide national. On est à Porto. Guy, le voyage était bien? Ah, tu parles pas portugais déjà. Bah, on comprend rien, on est perdu. Non, mais il y a beaucoup de portugais qui parlent français. Ouais, mais on sait pas où on est là. On est à Porto, ouais. On est au centre-ville, dans le vieux centre historique. La preuve, regarde, il y a même les bus touristiques qui sont là pour te le prouver. Il ne sait pas parler du tout portugais. Alors, il croyait qu'il savait où il était, mais il ne sait pas du tout. Hein. Attends, on va aux quatre coins du monde, et là, à Porto, là, ça y est, t'es perdu. Tu sais plus où tu es. Portugal, Portugal. Ben voilà, football, football. C'est tout ce que je connais. Ben voilà, on est avec une chouette équipe de la radio Vivacité, avec Sylvie Honoré, ses experts, ses invités, et puis, bien entendu, tous les auditeurs. 88 auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont voyagé. Plus le reste qui viennent remplir le bateau, mais ça on verra. C'était sympa. Voilà, donc jusque là le voyage se passe bien. Il faut quand même que je vous raconte, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient voir Michel en lui disant, dis donc Michel, est-ce que ce serait pas possible que tu donnes un petit coup de main à cette dame parce qu'elle a des béquilles, il faudrait planter sa valise. Michel, grand cœur évidemment, il dit, ah oui, mais bien sûr, avec plaisir. Seulement Michel, il fait des photos. Alors qu'est-ce qui scotine la valise? C'est ma pomme. Voilà, c'est moi. Je rends service et c'est lui qui exécute. Bon ben, je peux pas tout faire. Hein. Non, je c'est vrai. Pas tout faire, non, voilà. Mais non, c'est vrai. C'est sous le signe de la bonne humeur. Ouais. Ça commence déjà très très bien. Donc il n'y a plus qu'à rester et puis découvrir avec nous. Et puis en attendant les autres images, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et avant de mettre le pouce bleu, nous on va les manger un coup. Bah non, mais eux ils peuvent mettre un pouce bleu. Toi, ouais, vas-y, mais tu nous mets on va un pouce les bleu. Manger là, comment ça s'appelle là, le poisson à la. Le bacalao. Le bacalao, le bacalao. Ah le bacalao, bacalao. Alors les filles, on va où? On va où? On fait quoi? On
Orfaibli. Oh là. Voilà Sylvie, on est là, on est devant le bateau. Je voulais juste te remercier et te féliciter parce que c'est quand même un projet qui t'appartient. C'est un projet qui te ressemble. C'est une idée que tu as créée, quelque chose que tu as voulu faire autour de tes auditeurs, de les rencontrer, leur offrir un moment exceptionnel. Qu'est-ce que tu ressens en voyant ça, en te retrouvant devant le bateau, en te retrouvant face à tous ces auditeurs? Qu'est-ce que ça te fait? J'ai l'impression d'avoir construit le bateau pour eux. Ouais. Ça c'est déjà une première. Je me dis, j'ai bien fait de mettre de la couleur verte. Oui. Ça lui va quand même bien. Non, mais qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens, évidemment, je regarde ce groupe monter petit à petit. Et en effet, je me dis, ben, c'est grâce à moi qu'ils sont là. Hein, j'en suis quand même conscient. Tu peux, oui. C'est grâce à eux que je suis là. Donc, quelque part, c'est un partage. C'est vraiment un partage. Et je me dis que c'est une belle aventure qui commence. Et que pendant une semaine, on va vraiment vivre un truc intense ensemble. Et qu'on va grandir chacun de notre côté encore, et vous aussi, les coachs, vous allez grandir, et on est là, voilà. Ça va créer des liens, ça va créer des liens, complètement. Des moments qui vont devenir inoubliables. Tout à fait. Et une semaine, mais qui va avoir un impact incroyable sur la vie de beaucoup de gens, et je pense même sur la nôtre. Ah, de toute façon, moi d'ailleurs, mon fond d'écran depuis l'année dernière, c'est toujours la croisière de l'année dernière, tu vois. Ah. Je vais avoir même du mal à changer le bateau de l'année dernière en mettant celui-ci qui est quand même trois fois plus grand. Mais quand on aura fait 10, parce qu'il est, il est quand même grand, hein, l'air de rien. Oui, il est quand même fort grand. Oui, oui, oui. Voilà. Et je me dis, il y a une cloche comme dans Titanic. Bon, je fais pas le rapprochement, mais enfin, c'est voilà, il y a une grosse cloche. On peut se mettre sur la proue tout à l'heure. La proue. Non, la proue. La proue. Dit la proue. Non, j'ai dit la proue. Tu as dit la... On va repasser ce passage. Tu as dit la proue. Il a dit la proue. Non, j'ai dit la proue. Bon, on repassera le passage. On peut se mettre sur la proue, mais tu pourras faire I'm the queen of the world si tu veux. Ouais, d'accord. Hein. Je suis la maître du monde. Et voilà. Alors, donc lundi 17 avril, lundi de Pâques, je vais faire sonner la cloche. C'est ça. Donc, on vous redonne rendez-vous en direct lundi devant la cloche pour la faire sonner. Génial. Hein? Super. Allez, nous on continue parce que tout le monde embarque là. Ouais, on va y aller.
voilà, mesdames et messieurs, chers passagers, équipage au grand complet, à votre service pendant toute la croisière, il y aura le service de l'équipe de manège en France. Alors Dominique, tu es content ? Très content. Ça se passe bien ? Super bien. En tout cas, bel accueil, hein, bravo, un beau travail. Hein. Merci, merci. Ça fait plaisir d'être gâté par vos soins. Voilà. Les soins de waouh ! Eh bien, le nom n'est pas volé. Hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente croisière. Merci, abrigado ! Où est-ce qu'elle va être cette boîte? Je sais pas, on va la mettre au bar. Au bar? À la réception. Ah. Moi, j'estime que c'est un magnifique cadeau. C'est un éveil énergétique. Donc, avec. C'est une américaine qui a développé ça. Bon, je l'ai un petit peu aménagé. Je viens de chanter la balade des gens heureux. Quand je vois certains visages, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que je vais accepter la mission? Vous êtes sûr que vous êtes content d'être là? Alors on pourra dire que c'est parce qu'il est tard et que chez nous il fait une heure de plus, etc. Voilà, allez, bon, j'accepte la mission.